myself. Take me right back to the start. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft, sur notre série tuto déco. Et nous sommes à l'épisode 31 les amis, et qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien je vous propose comment créer une potence médiévale, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc voici la bête, donc la potence du Moyen-Âge, comment j'ai décidé de la faire. J'ai mis principalement du bois sombre, hein, notamment les bûches et puis le petit parquet. Comme on peut le voir, et puis là où j'ai joué un petit peu sur du clair, forcément il faut alterner un peu les deux, faut pas que ça soit entièrement sombre, sinon ça ferait moche. Et bah tout simplement c'est au niveau des barrières que j'ai décidé de mettre un petit peu de couleur un peu claire, on va dire. Et à certains endroits j'ai mis des petits détails, hein, des petits boutons sur les bûches pour montrer que c'est des petits endroits qu'on met en relief, des petits creux, enfin on va dire des petits bâtons enfoncés, tout ça pour montrer vraiment le détail de notre potence. Ensuite, il est totalement réaliste, parce que regardez, on voit très bien ici que j'ai mis des petites trappes pour que, voilà, dès qu'on pend la personne, bah hop, pouf, voilà, elle crève. Et puis en plus, après, sur la détache, et bah, regardez, c'est pratique, parce que là, j'ai mis, on va appeler ça un petit chiotte, hein, moi j'aime bien appeler ça comme ça. J'ai mis un tout petit chiotte, voilà, pour récupérer le cadavre, comme ça, hop, voilà, on le met à la poubelle, on fait ce qu'on veut avec, voilà, franchement. Tu fais ce que t'as envie, et en plus, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, dans cette zone, là, on va récupérer les corps. Et là c'est que on ne voit pas, enfin du moins quasiment, là tu vas dire, oui mais colonel là on voit, bon oui on voit, voilà c'est normal, mais bon il faut, on va dire il faut quand même laisser un petit peu d'ouverture j'ai envie de dire aux créations, mais principalement vous voyez quand le corps est tombé ici on voit pas, j'ai fait exprès de mettre des trappes pour qu'on ne voit pas, un peu comme un rideau de bois je dirais, et donc voilà, et aussi, bah regardez ce qui est bien c'est que là j'ai mis la petite tenue du bourreau, regardez même moi je me suis habillé en bourreau aujourd'hui, voilà parce qu'on va faire une exécution. Et on a aussi la petite table, voilà, du prêtre pour prononcer les derniers mots de la Bible avant qu'une personne crève, j'ai envie de dire. Et donc voilà, franchement on a pensé à tout ce détail vraiment au maximum, donc c'est moi qui a tout fait moi-même. Alors je l'assume, j'ai regardé une petite photo Google, si vous voulez je vais vous le mettre à l'écran, voilà je me suis inspiré de ça pour créer cette potence. Et donc du coup les amis, de qui vient cette idée? Eh ben très bonne question, cette idée vient de le merveilleux LBBoss qui nous dit sympa la vidéo. Donc forcément, bon, la dernière vidéo que j'ai fait notamment, voilà je vais vous dire l'épisode 30 que d'ailleurs vous pourrez aller voir en fin de vidéo, hein, pendant l'outro je la mettrai dans la catégorie précédente. Donc du coup il dit sympa la vidéo, sinon je te propose de faire une potence style Moyen-Âge. Donc voilà, j'ai respecté la potence et en plus c'est bien qu'il m'ait précisé le Moyen-Âge, donc j'ai respecté le style Moyen-Âge, j'ai pour la petite touche d'humour de merde, il dit comme ça tu pourras l'utiliser contre des vilains pas beaux. Et bah voilà, donc j'espère que mon ami LBBoss, cette potence te plaît. Et que vous aussi, les gens qui regardent cette vidéo, cette potence vous plaît. Bon, ce que je vais faire les amis, c'est qu'avant que cette vidéo commence, bah déjà tout d'abord je vous invite à lâcher un petit like, ça fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à partager à vos amis pour qu'ils puissent admirer cette potence et pouvoir la reproduire sur leur serveur. Donc ça peut être attribué sur une survie, ça peut être dans une ville RP ou n'importe. Enfin vraiment, c'est comme vous voulez, cette potence elle peut aller partout. J'ai fait en sorte aussi d'utiliser des matériaux qui sont faciles à obtenir en survie. Ça c'est aussi le but sur ces tutos déco, que ça soit aussi accessible en survie. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Je mets le mode construction et nous allons bâtir cette potence. Je fais une petite ellipse, je vous dis à tout de suite. Et donc voilà les amis, je suis en mode construction et je vais vous présenter tout de suite les matériaux qu'il faudra pour notre potence du Moyen-Âge. Mais déjà tout d'abord dans l'inventaire, il faudrait prévoir l'armor stand et la hache en fer. Donc voilà. Donc il faudra le smooth block, le nouveau bloc de stone, voilà. Il faudra ensuite notre planche en sapin. Il faudra aussi le chaudron. Il faudra les escaliers en chêne. Il faudra le bois d'épicéa, mais attention j'ai bien le bois d'épicéa et non le bois sombre, il faut faire attention. Il faudra donc aussi les barrières en chêne, les portillons en chêne, et il faudra aussi les barrières de chêne sombre, les dalles de bois sombre. Alors là déjà j'ai même plus de place dans l'inventaire, hop, on va ranger tout ça.
Il faudra aussi les trappes en sapin, il faudra les petits boutons de chaîne, les lanternes de la nouvelle mise à jour village et pillage, et il faudra le fameux petit poste du prêtre, j'ai envie de dire, là où il va faire ses prières, il va lire quelques pages de la Bible, et il faudra ceci. Donc là, je vais pas vous montrer comment les crafter, c'est facile. Donc toute la tenue, elle doit être en cuir, sauf le casque qui sera en maille, et vous mettez tout simplement du noir dessus. Voilà, une teinture noire dessus pour représenter l'équipement du bourreau. Voilà, je suis gentil, je vous ai fait même un petit bonus pour faire le bourreau. Et donc là, les amis, on peut passer à la construction. Donc pour commencer, les amis, ça va être très simple. On va commencer à installer les escaliers. Alors pour les mettre du côté que vous voulez, donc soit vous les mettrez du côté gauche, soit du côté droite. Bon, moi, sur la vidéo au début, vous avez bien vu que je l'ai mis du côté droite. Donc du coup, on va le faire à droite, mais vous pouvez très bien le faire à gauche. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous allez mettre deux dalles en bois sombre. Ensuite, vous allez rajouter le bois sombre, mais en barrière ici. Vous faites la même chose derrière, sauf que là, vous montez sur deux hauteurs. Et tout simplement, ben, regardez, on va former des escaliers montants comme ceci. C'est très dur à installer. Voilà, comme ça, tout simplement. Après, on va faire les petits rebords pour ne pas tomber en mettant les trappes en bois de sapin de chaque côté. Voilà. Alors ensuite, on va devoir bâtir une plateforme qui est de 5 x 11. Donc du coup, 5, ça sera notre longueur, comme ceci. Donc là, on a 5. Et après, il faudra compter 11 de largeur. Donc là, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc là, on peut bâtir notre plateforme. Alors attention, ici, il faudra casser évidemment ce bloc pour pouvoir installer la plateforme qui est de 5 x 11. Donc on voit que c'est quand même très grand, c'est très espacé. Ça fait plaisir, c'est pas un petit truc. Donc là, c'est OK. Ensuite, vous allez mettre 3 planches comme ceci. Vous allez en mettre 3 de l'autre côté. Vous allez en mettre une sur le milieu. Donc comme c'est 11, dans la logique, il faut compter 5 blocs de chaque côté pour que ça fasse 10. Et ensuite, celui du milieu, on le compte comme le sixième bloc. Et après, donc ici, vous en avez mis un au milieu. Vous avancez jusque la limite de ce côté-là. Et tout simplement, vous en mettez un de chaque côté. Parce que ici, on va préparer une bûche. Bon, là, si vous voulez, vous pouvez déjà le casser. Mais là, on va préparer l'installation d'une bûche pour soutenir les deux poteaux qui seront de chaque côté. Alors ensuite, ici, ça devient intéressant. Et bien, tout simplement, vous allez mettre un poteau comme ceci, plus deux barrières de chaque côté. Voilà, donc là on a fait l'installation du support pour notre plateforme. Sinon, bah oui, elle va pas tenir comme ça dans les airs. Ici, on fait la même chose à la limite, toujours avec aussi deux barrières de chaque côté. Voilà, on fait un peu comme un bonhomme, les pieds, le ventre et les deux bras. Ici, on fait de même. Là, au milieu, pour l'instant, on touche pas puisque la bûche, on l'installera juste après. Et là, on fait pareil, voilà, vraiment de chaque côté. Comme ceci. Alors ensuite, les amis, je vous ai parlé du fameux poteau que nous allons installer juste ici. Donc on va compter un bloc, deux blocs, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et ici, vous pouvez déjà mettre une petite trappe. Et là, on peut faire aussi la même chose de l'autre côté. Donc là, vous en mettez deux comme ceci. Et là, vous les collez sur les dalles. Donc là, ce sera pour cacher. Donc là, ici, pour l'instant, vous en mettez qu'une. Ici, on fait pareil. On en met deux en bas, deux sur les dalles. Ici, on en remet deux en bas, deux sur les dalles. Donc là, c'est pour cacher, bien évidemment. Ici, on fait de même. Et donc, voilà. Alors ensuite, les amis, on va installer les deux autres poteaux à chaque extrémité. Donc on va compter 3 blocs de hauteur sur chaque côté, comme ceci. Et après, on va venir poser encore une bûche, mais sauf que là, attention, il faudra la casser, parce que là, vous devez la mettre à l'envers, vous laissez dépasser de 1, et vous faites ça tout le long. Voilà, pour montrer que, en gros, ces deux bûches-là, de 3 de hauteur, sont le support d'une grande bûche tout le long. Et donc ici, on va laisser place au milieu. Donc là, il y a un petit trou. Ça va être très simple. Vous mettez justement l'escalier en chaîne.
Ensuite, avec ces petites barrières en chaîne, vous allez mettre un bloc comme ceci, un juste en dessous. Faites ça des deux côtés, un là. Là, vous en mettez un aussi. Là, vous en mettez un. Et là, vous en mettez un. Et forcément, au milieu, on va mettre les fameux portillons. Donc là, c'est pour montrer que en haut, c'est un petit support en bois qui viendra tenir la corde de pendaison que nous allons faire grâce à ces barrières en chaîne en mettant un bloc, deux blocs. Et on fait ça de chaque côté. Alors attention, mettez-le bien au milieu de ce portillon, vraiment sur la voie centrale, voilà, pour soutenir les pendaisons. Donc ici, on casse un bloc. Là, on regarde la corde, on casse un bloc. Voilà, forcément, c'est bien de pendre, mais il faudrait aussi la petite trappe, sinon c'est pas drôle. Alors ensuite, au milieu, vous allez mettre trois barrières en chaîne. Vous allez descendre d'un bloc. Et ensuite, sur chaque côté, vous allez mettre des trappes en sapin. Alors, veillez à bien les mettre un bloc au-dessus. Vous voyez, ici, il faut laisser un bloc de libre. Pourquoi? Bah parce que là, on va mettre des barrières en chaîne pour montrer qu'il y a encore plus de support sur le poteau de 3 de hauteur de chaque côté. Voilà, donc il ne faut pas le mettre ici, mais un bloc encore au-dessus. Vous en mettez tout autour. Ici, forcément, on va faire de même. Ici, on met encore les petites barrières pour montrer le support du poteau. Alors, ensuite, les amis, on va mettre les lanternes. Donc, j'ai prévu aussi un éclairage de nuit que je vous ne sais pas montrer sur la cinématique, mais que je vous montrerai en fin de vidéo. Qu'on en met ici, une là et une là. De toute façon, ça se voit, c'est vraiment les. C'est comme un support en bois, et puis après, on laisse une petite corde. On peut imaginer une petite corde qui tombe, et puis après, on attache la lanterne. Voilà. Donc là, les trois côtés sont éclairés, donc on a vraiment un éclairage complet de notre potence. Donc voilà, même l'exécution de nuit peut se passer, on va dire, avec une bonne vision. Ensuite, les amis, on va mettre la petite table de Monsieur le Prêtre. Voilà, comme ça, il sera content. Et si vous voulez rajouter du détail, et ça, je ne l'ai pas précisé, vous pouvez bien sûr rajouter un bouquin dessus. Voilà. Et après, les boutons, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, c'est très simple. Vous allez en mettre une sur la bûche de 3 de hauteur. Voilà, vous restez sur cette voie et vous en mettez un là. Vous comptez un bloc, deux blocs. Hop, j'en mets un. Et l'autre côté, on fait pareil. On le met sur la bûche. Je compte un bloc, deux blocs. Hop, j'en mets un. Et ça, je le fais bien évidemment de chaque côté. Donc on en met un là. On compte deux blocs, on en met un là. Ici, on met un bouton. On compte un bloc, deux blocs. Et j'en mets un là. Et là où il y a la table de Monsieur le Prêtre, vous allez mettre aussi un petit bouton ici. Donc les amis, maintenant nous allons travailler en dessous de la potence. Comment ça va se dérouler? Vous allez prendre les barrières sombres, vous allez en mettre une ici, une là. J'avais oublié de préciser que là, vous avez fait vos escaliers. Ici, il faut rajouter une petite barrière en chaîne, forcément, parce que je vous ai dit, il y avait une entrée, donc il faut forcément bloquer. Et donc là, il faudra laisser une ouverture. L'ouverture, on peut imaginer bah, une porte, tout ça, mais en fait, tout simplement, bah, la porte, elle sera aérée. Donc c'est-à-dire, tu peux juste rentrer comme ça, tranquillement. Et donc pour ça, comment ça va se passer? Donc l'entrée, elle sera ici. Et de l'autre côté, elle sera là. Donc du côté de la bûche. Donc ça fait que ici, on va cacher à cet endroit avec le petit rideau de bois. Vous en mettez un en dessous et un sur la dalle pour pouvoir vous aider. Donc là, on a les petites entrées. Ensuite, vous allez sortir les chaudrons. Vous allez regarder là où vous avez mis votre trappe sur la plateforme. Vous baissez et vous mettez les chaudrons. Comme ceci. Ici, petite trappe d'or. Et après, le sol, et bah, tout simplement, on va le custom. Donc, on va faire comme à l'épisode 2 où je vous ai présenté comment faire un chemin. Donc, d'ailleurs, je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous ne maîtrisez toujours pas ben, ce type de décoration au sol. Mais de toute façon, ça va nous servir dans énormément de vidéos. Et puis, regardez, au début, quand j'avais fait la décoration extérieure de cette potence, j'ai mis du sable des âmes, etc., des petits blocs en pierre. De toute façon, c'est comme ça, il faut maîtriser et voilà. Donc, si vous ne maîtrisez toujours pas, je vous invite toujours à aller voir cet épisode 2 qui vous expliquera toujours mieux. Mais si vous n'y arrivez toujours pas, n'hésitez toujours pas à me le dire en commentaire. Il se peut que je refasse une vidéo encore plus précise sur les chemins. Donc là, voilà, on a terminé. Donc on a mis ces deux types de blocs que je trouve plutôt intéressants pour mettre en dessous d'une potence. Après, en termes d'extérieur, faites comme vous voulez, mais moi je vous ai montré la petite cinématique du début qui peut vous donner des idées. Et donc voilà les amis, donc notre potence, j'ai envie de dire, est maintenant terminée.
mais il manque bien sûr un petit détail. Je me suis amusé à le faire, alors c'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire. C'est comme le, pour moi c'est de la décoration supplémentaire, mais je vous ai parlé forcément d'un bourreau, donc là on peut imaginer qu'on va placer un bourreau ici, et avec la petite tenue que je vous ai pas indiqué comment le faire, je vous ai juste dit oralement au début de vidéo, mais voilà, vous mettez la tenue en cuir avec le colorant noir et le petit casque en maille, voilà, la tenue du bourreau, et puis bien sûr il faudra la hache que vous allez lui donner. Voilà, monsieur le bourreau, il est content, il est prêt à faire son exécution. Et donc là, notre potence est bel et bien terminée. Et donc voilà les amis, donc la vidéo touche à sa fin, donc la potence est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'ai dit que je vous présenterai de nuit à quoi ça donnait. Et ben vous voyez qu'avec 3 lanternes seulement, j'ai, comme je vous l'avais promis, j'ai su gérer l'éclairage de nuit sur l'ensemble de notre potence. Donc voilà, bon bien sûr en dessous, on voit rien. Après, si vous voulez custom, vous pouvez mettre, je sais pas moi ici, vous pouvez installer une petite établie avec une petite lanterne. Enfin, c'est comme vous voulez. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Parce que moi, j'ai dit, je fais les constructions, mais pas l'aménagement même. Mais voilà, en termes d'éclairage, juste avec 3 lanternes, on a géré. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fera extrêmement plaisir. Je pense qu'on va se fixer un objectif 20 likes. Je sais que vous pouvez le faire. Donc aussi n'hésitez pas à proposer vos idées en l'inscrivant dans les commentaires, vous serez sûrement sélectionné dans les prochains épisodes. Aussi n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille et sur les réseaux sociaux pour attirer du monde sur la chaîne. Et s'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre mes aventures sur la chaîne. Sur ce les amis, c'était Colin Gaming et je vous dis ciao ciao.